Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live Réflexion. Réflexion, aujourd'hui nous sommes, le 14 avril 2024, c'est un dimanche et nous venons auprès de vous avec beaucoup de joie après un petit moment où nous avions disparu de vos écrans parce que les autres devoirs nous appelaient ailleurs. Ce n'était pas de notre volonté. En tout cas, nous sommes, comme je vous disais dans les précédentes émissions, que nous sommes sur un autre projet qui va peut-être commencer vers la fin du mois de mai. C'est ainsi que ça nous prend beaucoup de temps pour la préparation. Je crois que l'annonce, vous allez la voir donc dans les prochaines émissions où nous annonçons une nouvelle émission qui sera pratiquement animé par nous-mêmes, mais qui sera avec un contenu très très différent de la politique. Nous serons dans un autre domaine où nous allons venir auprès de vous pour vous emballer dans une autre aventure. Alors, aujourd'hui, le 14, donc, l'actualité est prédominée par deux choses. Il est prédominé par l'absence du président de la République, donc la disparition du président de la République. Et aussi, ce que nous allons parler, nous, ici à Contact Pro Live, c'est deux sujets. Le sujet où nous allons réfléchir sur pourquoi les Ouazalendo sont appelés à Kinshasa pendant que le président de la République est pratiquement absent, presque absent. On parle qu'il est malade. Les Ouazalendo sont à Kinshasa pour attendre et puis Bakosololana Mokonzi Mboka. Pour Namakamboza Kolekana, Est de la République démocratique du Congo. Et puis, il y a une deuxième chose sur laquelle nous allons réfléchir, mes chers amis, c'est les consultations pour un nouveau gouvernement qui a commencé et nous avons commencé à voir les gens défiler au bureau de la dame Premier ministre qui a été nommée il y a, je crois, une semaine. Et il s'est fait qu'il s'est donné 7 jours pour que les consultations avec les partis politiques pour enfin partager le gâteau. Donc voilà les deux grands sujets qui vont nous réunir dans cette émission où nous allons essayer un peu de réfléchir avec beaucoup plus de tact sur ces deux sujets-là. Pourquoi les Ouazalendo à Kinshasa? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils ne devraient pas venir sur terrain pour causer avec eux? Il y a Anguille Souroche de ce côté-là. Et puis, nous allons aussi parler, si le temps nous permettra, de certaines coopérations entre le Rwanda et le Congo. Donc, comme toujours, à la fin de l'émission, nous allons vous expliquer encore beaucoup plus avec des détails sur le projet que nous appelons la rétrocession du pouvoir au niveau de la base, qui est le soubassement que nous prenons ici pour que nous puissions voir si nous pouvons contrôler effectivement notre pays. Voilà un peu ce que nous allons faire dans cette émission d'aujourd'hui. Et donc, merci d'abord pour ceux qui sont vraiment fidèles et qui continuent à ouvrir nos vidéos et qui continuent à nous appeler pendant que nous étions absents. En tout cas, merci beaucoup. Ça témoigne vraiment que vous vous intéressez et que nos réflexions vous voulez à ce que nous puissions continuer. Donc, pour ceux qui sont là pour la première fois, nous vous demanderons de vous abonner, s'il vous plaît. Et vous autres qui suivez nos émissions, partagez ces émissions-là parce que ça contient de ce que nous sommes en train d'expliquer ici, la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Et je vais vous rappeler ici que nous ne faisons pas que pérorer. Nous venons avec des réflexions pratiques. Comment est-ce que nous pouvons arriver à cette solution-là? Voilà donc le satire de notre émission. Et donc, vous aviez partagé, vous avez aimé, surtout la vidéo. Aimer, si vous n'avez pas aimé, vous pouvez toujours laisser un commentaire pour ce que vous voulez. Donc, maintenant, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Bien sûr que c'est dimanche, mais ce titre-là nous occupe parce que nous sommes dans l'émission Réflexion. Et les grands titres à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet, nous commençons par election-net.com. Goma. Un corps sans vie flotte sur les eaux du lac Kivu au port Bisengimana, Kinshasa.
ce casse-tête des usagers de la route Matete Kisenso. On va sur actualité.cd, rattrapé après évasion, un suspect clé dans l'assassinat du cadre du parti Ensemble pour la République qui nous retourne en détention. Appel à la suspension préventive des acteurs impliqués dans le détournement de fonds à l'armement. Le procureur général près de la Cour de cassation est à la recherche de preuves pour asseoir les accusations portées contre les candidats invalidés par la CENI. Escalade de la violence à Beni. Bilan des victimes décapitées s'alourdit à 12 morts. Congo profond, EPST. Le spectre d'une perturbation des activités plane sur l'année scolaire 2020-2023. Et puis, service national, 1600 nouveaux bâtisseurs bientôt en action pour rendre service à la nation. Et puis, report élection, déchéance, bureau, pétition, etc. Le RIFIFI reprend à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. 7 sur 7, Mbosso, après sa rencontre avec Jim Soumouinoua, cette première ministre va nous surprendre agréablement. Ça, ce sont les propos de Mbosso. Ituri, deux civils tués par une attaque ADF à Irumu. Enfin, RDC, le gouvernement s'implique dans le démarrage effectif des travaux de construction de ports secs à Kasumbalesa. On va terminer par Radio Okapi. Le député Karline Zanzou dénonce le regain de violence et de criminalité à Goma, Nord Kivu. Trois civils blessés par des militaires FARDC à Boulongo. Et puis l'EUR disponibilise 70 millions d'euros pour répondre aux besoins des humanitaires à l'est de la République démocratique du Congo. Et puis, idiot fois, au moins 15 morts à la suite d'un roulement de terre à Dibaya, Diloubwe. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, donc, hier, samedi, les titres dont je vous ai lu ici, ce sont des titres qui sont là. Généralement, le week-end, tous les journaux en ligne. Les gens sont en berne, quoi. Donc, ils sont en week-end, donc ils ne produisent pas. Mais néanmoins, ce sont là les actualités qui vont aller jusqu'au week-end. C'est pour cela que pour ceux qui n'ont pas suivi, ils peuvent vraiment se rattraper. Et lorsque la semaine va commencer, que vous soyez à la page. Voilà. On va prendre le premier sujet, c'est-à-dire. On se réveille un matin, d'abord on voit des images, on voit les gens, et les gens qui ont pris ces images-là, il y a beaucoup de gens qui ont pris des images amateurs, que les Wazalendo sont appelés à Kinshasa, donc leur tête, quoi, beaucoup de ces... Parce que ce sont des groupes armés qui s'appellent des Wazalendo. Ils sont appelés à Kinshasa en consultation pour aller causer avec le président de la République. Entre-temps, à Goma, l'insécurité est grandissante. Insécurité, à Goma, il faut tout louquer l'ango combo. La ville de Goma est dans une psychose où les Wazalendo font la loi. Nous avions vu le gouverneur militaire donc de l'état de siège qui a lancé un communiqué en disant qu'ils ne veulent plus voir ces Wazalendo-là se promener dans la ville avec les armes et tout ça. Et tout celui qui n'obtentera pas à cette décision sera arrêté. Nous avons vu le message de certaines têtes de ces groupes armés lancer ce message-là parce que la ville est pratiquement incontrôlée. Rappelez-vous que le M23 prend en étau la ville de Goma. Et on parle que la ville de Goma pourra tomber n'importe quand.
Pour ceux qui ont suivi Jean-Jacques Mamba avec un concert Bibi Kapinga en Belgique, nous avions eu encore un peu beaucoup plus des informations sur l'ossature même du M23 aujourd'hui. Il a expliqué, et je vous recommanderais d'aller un peu écouter ce que Jean-Jacques Mamba a dit sur le M23. Mais ici, nous sommes avec les Wazalendo qui sont appelés à Kinshasa. Les Wazalendo nous ont vanté que ce sont eux qui sont les défenseurs. Ils sont là, ils sont en train de faire un bon travail. Ils sont en train d'empêcher à ce que le M23 avance. Or, nous constatons aussi que le M23 prend son temps. Le M23 prend son temps, donc ils ne sont pas pressés. Pourquoi ne sont-ils pas pressés? Ça, c'est une question que moi, je ne peux pas vous répondre. Parce que beaucoup de vous, d'entre vous, m'ont posé la question, mais M23, Bazo Zelanini, Poba Kangagoma, Tolembi, la population est au bord vraiment Basiba Lembi. Ils sont au bord. C'est invivable, Goma, pour le moment. Tellement beaucoup de tueries, et ceci me rappelle de cette rébellion de l'AFDL à Bukavu, lorsque le FAZ avait commencé à prendre fuite vers Goma. Ils abandonnaient le front, et leur passage, dans leur fuite, ils pillaient tout. L'insécurité était grandissante jusqu'à ce que le AFDL a repris Bukavu. C'est dès lors maintenant qu'il y a eu accalmie. Et de la même façon que nous sommes en train de voir, le M23, dans la zone où elle occupe là-bas, pratiquement les gens sont maintenant un peu en paix. Les gens ne subissent pas de tracasseries inutiles de ce côté-là. Mais dans la ville de Goma, où il y a nos soldats, où il y a nos FARDC, où les Wazalendo qui devraient en principe attaquer le M23, ils se replient en même temps avec le FARDC, disant que moi, je vais vous dire une chose. Quelqu'un qui se bat pour son pays, il n'attendra pas quoi que ce soit que des ordres pour venir quelque part. Ils se sont armés sans sans Tshisekedi. Ils sont habillés sans Tshisekedi. Ils n'ont pas aucune aide. C'est ça qu'ils sont en train de se vanter. Ils se disent que non, bango bazako bundela mboka na bango. Or, ces forces-là ont été classifiées comme des forces négatives. Et le gouvernement congolais en savent quelque chose. L'ONU a classifié ces gens-là comme des forces négatives. Maintenant, eux se disent que non. Eux, ils supportent Fati Beton parce que Fati Beton les a reconnus comme une force comme Banamboka ou Bazako Bundela Bamboka Nabango. Vous voyez comment est-ce que nous contredisons nous-mêmes. Nous avions signé avec la MONUSCO, avec l'ONU, avec tout le monde, toutes les forces en disant qu'il y a des forces négatives qui déstabilisent l'Est de la République démocratique du Congo, qu'il fallait maîtriser ces forces négatives-là. Et il fallait combattre ces forces négatives-là avec force. Mais c'est le gouvernement congolais. C'est le gouvernement congolais qui accepte encore que ces forces négatives-là puissent se battre à ses côtés. Et c'est cela que Kagame est en train de prendre comme des avances en disant, voilà maintenant que nous sommes en train de vous dire que les FDLR sont en train d'être utilisés par l'armée congolaise. Et cette armée congolaise, il est en train de se battre contre eux-mêmes, le M23. C'est comme ça que les Rwandais justifient cette histoire-là en disant que ce ne sont pas que les Congolais. Beaucoup des FDLR sont dans le FARDC. Et ce sont ces FARDC-là, FDLR qui constituent une menace pour le Rwanda. Et la communauté internationale a accepté. Et vous allez écouter Kagame dire, moi je ne veux pas mettre sa vidéo ici, il dirait que Tshisekedi, on lui a posé la question de savoir les M23 là qui se battent. Ils se battent pourquoi? Sont-ils des Congolais, oui ou non? Félix a dit qu'il y a des Congolais qui sont là. Mais que Kagame est en train de supporter les Congolais. Kagame se défendra comment? Il se défend en disant que non. Il y a génocide.
Ces gens-là sont en train, ce sont des génocidaires. Pourquoi? Parce que il y a des camps de réfugiés rwandais. Non, pas rwandais, les réfugiés d'expression rwandaise qui sont des Congolais, qui sont de l'autre côté de la frontière. Kagame a tous les atouts. Il a tous les arguments à convaincre la communauté internationale que ce n'est pas son problème, mais ce sont les génocidaires qui ont occupé, qui sont là-bas, qui pourchassent les Tutsis du Congo. Et il est en droit de défendre ces Tutsis-là. En tout cas, ici, peut-être beaucoup de gens vont être énervés, mais c'est ça la réalité. C'est ce que dit le M23, c'est ce que dit Kagame à la communauté internationale. Et c'est ainsi que même le président Félix n'est même pas écouté. Alors, voilà, Félix va accepter en disant que non, les revendications de Kagame, il va le prendre en charge. Donc, il va maîtriser le FDLR, mais il faudrait que Kagame cesse de supporter le M23. Donc, Félix accepte en même temps qu'il y a, dans le M23, il y a des Congolais, et que ces Congolais-là sont en train de protéger une population congolaise qui a été pourchassée par les génocidaires qui ont fait les génocides au Rwanda. Maintenant, Bandeko, totala nanamiso, moi je me pose comme question, les gens-là qui sont partis à Kinshasa en disant que ce sont les Ouazalendo, il y a leur nom, les Kairi et tous ces gens-là, ces Kabido et toutes ces histoires-là, moi je me pose comme question, sont-ils vraiment des Congolais? C'est là le grand problème. Lorsque nous attendons que ces gens-là, lorsque les vidéos qui nous parviennent, on se pose les questions en se disant, est-ce que Batuo vraiment est un Congolais? Est-ce que nous les Congolais, nous ne sommes pas en train d'accompagner une guerre dans laquelle nous sommes? Comme disait Katumbi. Cette guerre ne nous appartient pas. Les Congolais ne se sont jamais bâtis de cette façon-là. Le caractère de la Congolais était. Parce que quand vous regardez la façon dont ils sont habillés, là, ils ont des armes. Quelques armes qu'ils ont là, ces armes-là ne sont pas fournies par Kinshasa. Ils ne sont pas fournis par le FARDC. D'ailleurs, le FARDC ne leur fournit pas aucune arme. Mais Batouana Bazoua Kozouamando Kiwapi. C'est ça qui justifie en tout cas que le FDLR, Rwanda Zan a raison à Koloba, Batouana Zaba FDLR. Nous, les Congolais de l'Est, il y a de quoi se poser comme question. Bah, chef de guerre, Wana, Obaza Koloba, Kibaza, Wazalendo. Même la langue qui est parmi les 80% de ces Wazalendo-là, c'est la langue Tutsi. C'est la langue rwandaise. C'est le Kinyarwanda qui est parlé. Vous allez voir que ce sont les Kinyarwanda. Or, il y a un camp de réfugiés, Kagame, Azako, justifié à l'obi. Bah, Tutsi, Congolais, Tozana Bango, na Rwanda, Balingi, Bazonge, Pana Bango. Ils connaissent. Alors, Baona Bazako Bazako Mbawazalendo, ce sont les FDLR Baoutou. Et moi, je vous le dis ici. Vous pouvez, Botouna Nakaka, Batou Bazana Goma, poser la question. Vous allez voir que non, c'est quelque chose de louche. Ça ne s'explique pas. On n'explique pas comment est-ce qu'un Mouzalendo peut être de cette façon-là. Azubaba Teni Wapi. Et ce genre de tenues-là ont été habillées par les FDLR. C'est ainsi que, quelque part, l'ONU peut appeler sa raison à Kagame. Donc, vous voyez que, moi je me pose comme question, toi, tu as dit que non, tu as dit Kinshasa, et ça sur invitation du président de la République. Le président de la République a dit à Sololana Bango. Et moi, je commence à soupçonner que peut-être que Nandenge Bake Kinshasa Kuna, c'était justement pour diminuer leur force. Parce que Bango va mettre à 14 balobi que non, Bango ne m'a pas défendu. Ce sont eux qui encore défendent parce que le FARDC ne se bat plus. Le FARDC n'a pas de bazar sur Bango dans ma cacité. Et ce sont eux, ils se disent que non, ce qui va passer si Bango va mandoki, ils vont terminer cette guerre-là en moins de 24 heures. Mais entre-temps, le gouvernement ne veut pas les équiper. Pourquoi? Parce que ce qui a équipé Bango, ce qui va passer si Bango va mandoki, ce qui va salir Bango,
Le gouvernement est en train de jouer un jeu, je ne sais pas pourquoi. Tantôt ce sont les réservistes, tantôt que non, Toko Kangabino, la position du gouvernement n'est pas claire. Position du gouvernement contre les Wazalendo, là, c'est clair. Ce qui est supporté, bango, ok, bon, pesa bango kasi mindu ki babunda na place à faire de ça. Au lieu que vous ne louez les sous-sous mercenaires, tout ça, ça vous coûte un peu beaucoup plus d'argent. Utilisez alors officiellement les Wazalendo. Et les Wazalendo là, c'est de là que nous, quand on regarde ces gens-là, quand on parle avec eux, vous sentez, nous qui connaissons les Hutus, nous on sent ça. On sent que Bitumba Obato Baza Kobunda, Ezali Kambouaba, Ezaba Tutsina Ba Hutu, O Huta na Rwanda. C'est une guerre dans laquelle le Congo ne doit pas même pas Bakota Kuna. Tokai Kokota te. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ba erreur est aussi koti. En tout cas, tokoyo kango na solution. Todi to kananu. Développons encore notre deuxième sujet ici qui est la formation de ce gouvernement là. Parce que na katia na formation à gouvernement à madame Judith o tango toza koloba tango tozo mona qu'est-ce que madame Aroui Kosala, c'est dans la dans cette partie là o tokoya ko rejoindre solution na biso na ba aspiration au gouvernement e ko kozala nango po e bongisa mboka bandeko ya na weekend o te ko mona keno. Judith a dit que non, ça va lui prendre 7 jours, donc ma consultation avec les partis politiques pour former son gouvernement finalement. Entre-temps, entre parenthèses, Félix, on ne sait pas où il est. Les autres disent que non, ça malade, ça en Belgique, bah, tout le monde habité, bah, on nous trompe parfois que non, apparition à Félix, c'est que na boma na mata di kuna babiloko belé belé. Donc on n'a pas de précision jusqu'aujourd'hui. Donc nous sommes au 6e ou au 7e jour où le président est disparu. Peut-être pendant que nous sommes en train de réaliser cette émission, Asia Monani, Azako Yeba, Azako Sala Moussala na ebité. Mais néanmoins, ce que nous voulions dire ici, c'est l'ikambo ya formation à gouvernement. Bandeko. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Si le programme de Madame Judith est un programme du Parlement, est un programme de la majorité parlementaire. Pourquoi? Parce que Madame Judith ne vient pas de la majorité parlementaire. Ça, c'est un massacre encore de la Constitution. Tozo kende wapi. Ça ne sera pas la première fois que je suis en train de dire ceci. Moi, je pense que madame, au lieu que yakoma abandako kende kosala ba consultation na ba parti politique, il devrait appeler la majorité parlementaire au Parlement. Pas pour aider. Que non, malgré que j'ai été nommé par le président de la République, mais nous devons confectionner le programme et nous entendre tous, parce que nous avons une majorité. Nous avons une majorité, c'est de là que nous allons former un gouvernement. Et là, l'ikambo komi sikoyo ya partage à gâteau, on ne parle plus de programme. On pense que le programme du président, on va accompagner le président de la République. On va accompagner la vision du président de la République. J'ai eu honte. Nayoka ki moi soni tangu nayoki sama makambwaza koloba tangu bakende kokutana na madame wana groupe Union Sacrée. Moi je me suis dit ce ne pouvait pas être pour donner un peu de l'importance à cette majorité là. Moi je pense que il devrait organiser quelque chose, une grande réunion de cette majorité là ya koloba bo bandeko. Voici maintenant que nous avons, moi j'ai été nommé comme premier ministre,
Luka awa mwae maintenant total aba stratégie to vanda total aba stratégie ni nango to kosala. Qu'est-ce que nous allons nous confectionner un programme ensemble, et c'est dans ce colloque là par exemple neto koyeba kirobi avec ses atouts les stratégies to kosala boy to kosala boy. À qui quelqu'un nous pouvons faire confiance, voilà tel, que ce soit un consensus même au niveau de la majorité parlementaire. Awa comme il sous une titozo kabolanguba. Ça devient encore quelque chose que nous allons partager en disant, bon, ok, voici 10 pour UDPS, 3 ministres pour TIS. Non! Ça devient un partage des gâteaux. C'est comme le grand problème, c'est que maintenant, vous allez équilibrer les forces. Batoba, Lobamingi, Teboyana, gouvernement, tout ça. Ce gouvernement-là, vous ne savez pas ce que vous allez faire. Les gens qui sont là, ils viendront avec leurs motifs. Pourquoi? Parce que ils ont un parti politique, mon tindi bango. Donc nous allons louper pratiquement encore une fois de plus une opportunité de respecter même les textes, de respecter la constitution. Parce que le gouvernement devra être formé par qui? Par la majorité parlementaire. C'est ça que j'ai dit. Donc, au lieu de commencer à prendre des petits groupes, on va consulter groupe. Vous discutez de quoi? Vous discutez de quoi finalement? Vous discutez de la formation du gouvernement? Ou bien vous devriez discuter du programme que vous devrez mettre ensemble. Et c'est à partir de ce programme-là, vous pouviez dire que non. Tous les gens qui ont un profil, vous allez encore vous retrouver que ce sont des partis politiques qui vont envoyer des médiocres là-bas, qui seront là-bas justement pour leurs intérêts personnels. Seront là encore pour leur intérêt personnel. Donc, ezay lokomoko vraiment na ebite soki tozo kende wapi. Et vous, avec cet allure, vous pouvez attendre vraiment ce que madame akobimise lokomoko na gouvernement na tatia yango. Moi, je ne pense pas qu'il y aura quelque chose de nouveau. Je ne vois pas du nouveau là-bas. On est en train toujours de répéter les erreurs du passé. On continue à s'enfoncer dans ces erreurs-là et c'est comme ça que ça se passe. Après 7 jours, il va consulter tel groupe. C'est à lui maintenant qu'à de choisir une équipe.
Et cette équipe-là va faire quoi? Ils vont accompagner le président de la République. Donc, le gouvernement, ça sera à la caporale avec le président de la République. Chose que la Constitution n'a jamais voulu que ça soit ainsi. Président de la République, alors on va travailler. Maintenant, nous allons faire l'idée du président de la République. C'est lui qui va commencer à tout décider. Ça ne sera pas différent de Samalou Kondé. Qu'est-ce que nous allons changer? Le changement viendra d'où? Et quoi ou tawapi changement? Le changement quoi ou tawapi? Parce que déjà, la forme haute aux okendele et aux okendemabe. Regarde maintenant comment est-ce que beaucoup de bavire belé bimi na poisson. Je parle ici du président, du ministre de finances qui a été dénoncé par le journaliste Israël Mutombo. La coopération est zakakandengwana. Donc, tozako banga kutute. Donc, moi, si on a vraiment Samalou Kondé a bangi sa ki mutute, Félix a zo bangi sa mutute, parce que le régime est zali kamba kobanga. Et le régime a ko se servir. Tout le monde se sert maintenant. Il est grand temps. Ils vont partir. Nani a ko kende na nini? Nani a ko tika la na nani? Est-ce que ko zala na gouvernement na o kobima kakaboye? Et tout le monde cherche à taper son dernier cartouche. C'est ainsi que vous aviez vu le programme de 100 jours. Les caméras se sont enrichies illicitement. Batuebele, bazwaka bambongo. Parce que le gouvernement a quitté. Et le gouvernement a quitté. Et donc c'était leur temps. Oyo, voilà, nous allons peut-être entrer dans le mois de mai sans gouvernement. Et donc, session à mars. Il y a parlement. On n'a même pas, je ne crois pas, on n'a même pas encore. On n'a même pas encore le bureau définitif à parlement. Donc, le gouvernement peut prendre aussi cela. Hein? Il y a un peu bon, nous, comme le parlement, nous avons un bureau définitif. Inutile de nous précipiter. Nous allons prendre notre temps à cause de la cas. Tant que le bureau définitif est que vous allez implémenter, c'est dès lors que nous pourrons maintenant agréer le programme du gouvernement et instituer premier ministre et son gouvernement. Qu'est-ce qui se trame aujourd'hui? Vous allez voir, aujourd'hui nous sommes le 14 avril. Nous sommes le 14 avril, donc dans 15 jours, nous allons entrer dans le mois de mai. Et donc, dans le mois de mai, si aujourd'hui, et supposons, parce que j'ai dit, Toyebite, quand est-ce que le Parlement a fixé pour que Bassa la vote à président et à bureau définitif? Mais vous allez voir que si cela se fasse dans les 5-10 jours, et dans les 7 jours que la première ministre a choisi pour que Assa le gouvernement ait, et kotika la bajour kaka ya mouke, po akom abanda ko sala sikoyo sur un programme du gouvernement. Et cela, vous allez voir, ça sera encore du copier-coller na ba makambo oyo, Samalou Kondé a la kabiso ke non. Voilà, programme Nabiso, Esaïa, ça 50 points, nous allons réagir. Qui n'ont même pas. Donc. Et aux alakaka babiloko moko ya ndenge wana. Il n'a même pas respecté. C'est chaque année qu'il venait avec tout un discours. Un discours, oh non, voici les 5 axes, nous allons faire ceci. On avait vanté le gouvernement de Warrior. N'a habité ce qui va couper sango komboni ni gouvernement ya mwasi oyo. Voilà comment est-ce que nous sommes en train de nous embrouiller toujours dans cet partage du pouvoir. Entre-temps, j'ai été sidéré de voir une gouverneure de Lualaba, ce n'est pas de Kalemie, venir dénoncer les histoires de l'IGF sur la place publique. Et je me suis dit, mais c'est Tokomi Wapi Bande Konangai. C'est quel pays dans lequel nous sommes? Alors, ça, ce n'était qu'une parenthèse. Maintenant, réfléchissons sur ce qui peut être fait. Parce que l'émission Nabiso Oezalaka Réflexion.
qu'est-ce que nous pensons qui peut être comme solution en République démocratique du Congo, Bandeko? Moi, je pense, et je suis encore très convaincu, que la rétrocession du pouvoir au niveau de la base est quelque chose qui pourra nous sauver et qui pourra se sauver ce pays. Vous avez vu, Furuguta appelle les députés du Nord Kivu, Bazonga, Baya, Balota, Sokoto, Babunda na M23. Et il demande même à ce que, président, ça sera pour la deuxième fois, que ce monsieur aussi pense comme moi, que guerre à M23 et Kozala éviter, dans le sens où les Congolais se décident d'aller causer avec ces M23. Entre-temps, bah, M23 balobi, que Batunabango bazana Kinshasa. Vous voyez l'ironie du sort. Est-ce que Furuguta a M23 t'es? Le temps nous le dira. Furuguta demande à ce que les députés puissent prendre leur disposition pour que Bazonga, Bakende Kosolola, na M23, Yakoloba, Tosolola, Totiamando Kinase. Est-ce que c'est ça la solution? Nous avions dit ceci. Pour l'instant, il est donné au président de la République de prendre son cheval de bataille, son cheval de pèlerin, au lieu d'aller en Europe, au lieu de s'éclipser. Il est grand temps d'aller s'installer à Goma. Il est grand temps d'aller causer avec le M23. Mais il va causer avec le M23 comment? Quel est ma solution à commémorer la M23? C'est par là que moi je pense que il doit y avoir à Kende dans son gibecière na babilo comme une solution globale à la République démocratique du Congo. Yakobandela mboka asika. Nous devons aller là-bas avec une position de transition. Yakoloba to préparer kasi parce que mais nous allons le préparer comment? C'est ça ce que nous parlons ici, la préparation pour un 4e République. C'est-à-dire que nous devons le préparer dans les structures même à Mboka Nabiso, en rétrocédant maintenant le pouvoir au niveau de la base. C'est-à-dire quoi? En convoquant les états de lieu de chaque territoire. Moutounyo soit à Simba Mandoki partout, Azala na Katanga, Azala na Inyele Banani, tout ça. Que tous les Congolais puissent se mettre à causer entre qui est un dialogue. Un dialogue qui doit se passer sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Poto Luka, constitution et Asika. Pour que nous puissions réfléchir sur la 4e République et comment nous pouvons le lancer. C'est ainsi que la discussion à M23 est prise en compte au niveau même du territoire. Au niveau de territoire où on a place Bazali. Allez-y là-bas, on dit nous allons proclamer un nouveau Congo. Ce n'est pas moi qui gagne, mais ce sera un Congo d'où le Congolais va gagner. Si vous êtes Congolais, voici la solution dont moi je vous dis. Ne nous battons pas pour les postes de Kinshasa. Ne nous battons pas pour être au pouvoir à Kinshasa. Battons-nous pour que nous puissions asseoir une fondation solide de la République démocratique du Congo. À ce que dans chaque territoire, dans chaque province, nous puissions trouver une certaine cohésion, une unité nationale. Ça peut se trouver lorsque les Congolais vont signer le pacte d'adhésion à une nation congolaise. Et cette base, cette pacte viendra avec des textes et des propositions venant du peuple. Comment ça va se faire? Ici, nous nous sommes dit, il faut appeler les états déliés de chaque territoire. Nous sommes 145 territoires. Et dans les 145 territoires, nous allons chercher 300 personnes, 300 intellectuels, de réfléchir sur les thématiques d'une nouvelle constitution. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça sera réfléchir sur l'identification des Congolais habitants d'abord ces territoires-là. Donc, chaque comité dans chaque territoire devrait avoir comme mission réfléchir sur une nouvelle constitution et deuxième mission, de faire le recensement, donc l'identification des Congolais. Parce que c'est là où se trouvent les Congolais. On peut l'organiser de cette façon-là.
Parce que moi, je pense que la guerre est un, c'est un problème d'identité. Deux, c'est un problème de l'organisation du pays. Le pays ne se prend pas en charge. Lorsque tout est pris en charge à Kinshasa, ceux qui sont à Kassindi, ils font ce qu'ils veulent. Ceux qui sont à Mobaïmongo, ils font ce qu'ils veulent. Parce que l'autorité est à Kounate, l'autorité est à Kinshasa. Il faut faire renaître l'autorité dans les territoires. Et c'est par là que cette autorité-là pourra être avoir et qu'on peut s'assurer au Makassi dans la province. Dans la province, on peut s'assurer au Makassi dans Nini, on peut s'assurer na Etandi Mobimba, au Tokozala na gouvernement central. Parce que yangonde ni be comme sous au Tokoloba, biloko o il faut que n'est na gouvernement provincial, biloko o il faut que n'est na gouvernement central. Et que division est à la séparer parce que la constitution aujourd'hui. Soko tangi yango, okomona ke ba twaza koloba ke ba gouverneur à province baza ba représentant président de la République. Il ne travaille pas pour la province. Il travaille pour le président de la République. Donc le président de la République yende mutwaza na mot à dire. Tous les autres n'ont aucun mot à dire. Bandeko. C'est ça le grand problème que moi je vous dis qu'il faut que nous puissions combattre dans ce pays. Biso tokanisi ke solution oyo furuguta za koloba awa eza c'est une des solutions pour trouver la paix en Ituri et au Nord Kivu. Parce que les gens qui vont là, qui sont là, qui se disent que non, biso tozaba na mboka. Alors, déposez les armes, venez, nous allons nous identifier. Yoza na tribunine, awa tozana banyabwisha, awa tozana banyamulenge, chef coutumier, on va résoudre ces problèmes-là au niveau local. Quand les gens vont se reconnaître que yoza congolais te suivant un modèle à toyebani, toyebani na katia ba territoire. Les gens ne pourront pas, l'étranger ne pourra pas venir se dire qu'il est congolais dans le territoire où, dans lequel il n'appartient pas. Et nous pouvons mettre les mécanismes justement pour identifier la population. Que ça ne soit pas ce qu'on veut nous imposer avec l'ONIP. Nous devons avoir des processus au niveau de chaque territoire. Comment est-ce que nous pouvons identifier un congolais? Ce que nous avons dit, c'est que mbandaka. Attends aux en Afrique du Sud, nous devons savoir, nous devons mettre les mécanismes qui sera connu et nous aurons mettre les étapes de sécurité pour identifier la population. Voilà les deux missions que moi j'ai dit qu'on peut donner à tous ces états des lieux de chaque territoire. À ce moment-là, dès que les territoires sont organisés, dès que les territoires se mettent ensemble en disant « Nous sommes des Congolais, nous allons signer un pacte de paix. » Dans la prochaine émission, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on va mettre les armes par terre et maintenant former une armée républicaine dès que nous avons identifier la population congolaise. C'est à ce moment-là que nous pouvons passer par d'autres étapes. Mais tant que tozana nuka kana babiloko ya pamba pamba oyo tozo recruter bozo recruter banani na kati armée boyebi congolais za nani. C'est comme ça que les Mamadou qui avaient des parents sénégalais se sont retrouvés comme tout ça parce que structure moko ezalité. Moi, je ne pense pas que moi, ici, en Afrique du Sud, qui a recruté une force na bango, je n'ai jamais entendu cela. Parce que je n'ai pas osé que tu ni. Mais chez nous, tout le monde vient à Zomi Lobela Kaza Congolais. C'est ainsi que Nganaza Koebi Sabino. Même ce Wazalendo là, sachant qu'il n'y a aucun moyen de vérifier qui est Congolais et qui ne l'est pas, Bango Bazaki ba FDLR Wana, ba yebi mission na Bango Bazana Kati. C'est comme ça qu'ils se déclarent comme des Wazalendo. Et ils sont en train de combattre les M23. Bango Bazaki, pendant ce temps-là, l'intelligence à Rwanda yebi que non, Batouaneza ba FDLR. Ils vont s'appeler les Wazalendo. Les Wazalendo, dans les Wazalendo, boyoka na katia mama imai, tozalaka na batua expression rwandaise, na katia mama imai. Jamais. Mama imai n'ont jamais été d'expression rwandaise. Mais na katia ba Wazalendo, okomo na kaka groupe mzuzu, soke EPLST, soke nini, baza koloba kinywa Rwanda, ce sont des Rwandais. Et la plupart, en tout cas, beaucoup plus de chances que za ba Rwandais, ou baza ki, bazo lukisama na Rwanda.
Et c'est pour cela que moi je vous ai dit que Yangoana Toza ezako créer Zizani. Même ceux qui baillent à Kinshasa, moi je ne pense pas qu'il y aura une solution là-bas. Solution ni yango ba couper ça kuna na Kinshasa parce que ils n'ont pas, on n'a pas le moyen. Même ceux qui c'est bah oh, le président de la République a recevoir qui avant. Leur nationalité est vraiment douteuse. Pourquoi? Parce que bazo profiter na désordre wana structure mon côté à identification ils a mise en place té. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui en tout cas. Merci beaucoup. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment-ci et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. Nous avons besoin de vos abonnements. Partagez nos émissions, laissez un commentaire. Ça continue à nous affermir, à nous mettre en confiance que nous ne sommes pas en train de parler dans le désert. On se revoit donc prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.